Bon, les amis, qui dit trip de canot camping, dit nourriture, dit wildlife. Il y a beaucoup d'ours dans le coin du Yukon. Donc, pour se préparer, on a amené des fusils. C'est important de toujours savoir manipuler le fusil. Donc, tout le monde du trip va avoir tiré au minimum une balle si jamais on croise un ours. Fait que là, c'est mon tour. J'ai hâte de tester ça. Il est cool en tabarouette, ton petit doux. Nice! J'ai oublié de m'appuyer les oreilles! Nice! Bon feeling! Vraiment cool! Ça a du power, cette petite bébête-là! Bon, ça doit faire un 3h, c'est 3h30 qu'on roule. On est sur le bord d'arrivée. On va voir le petit viewpoint ici avec le lac, c'est vraiment tout beauté. Bon gang, on vient d'arriver sur le bord de la Nisutlin River. Le camp de base qu'on a, on va rester ce soir, puis probablement demain, parce qu'on annonce un tabarouette de déluge, mais je vous montre la rivière vite faite, je suis excité, fois mille. Merci les filles d'avoir monté l'abri moustiquaire. C'est vraiment dur, ça vous êtes. Il y a de la mouche pas pire, hein? Oui. Moi, c'est pas pareil. On peut l'amener, mais il va falloir qu'on aille. Jack Mace, au coin l'autre bord là-bas. Loin. Bon, salut la gang, on est prêt, on est sur le bord de la Nisutlin River. Comme vous avez pu voir dans la petite intro de la vidéo, c'est vraiment pas un trip à la Jim Bird qu'on fait. C'est une rivière qui est tranquille, il n'y a pas de gros rapide, il n'y a pas de portage. On est 10 personnes, 5 adultes, 5 ados. Ça fait du monde, ça fait du bagage, ça fait du pack-sac, ça fait de la bouffe, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pas... Attendez-vous pas un trip à la Jim Bird dans cette vidéo-là, mais on s'en va se clencher un, techniquement, 6 à 8 jours de descente de rivière avec 4 canots, 3 canots, puis un canot qu'on va transformer en catamaran pour pouvoir accueillir plus de personnes, plus de bagages, etc., etc. Pas de portage, donc on peut voyager l'eau, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ce qui nous attend dans la vidéo présente. Donc, restez à l'écoute, puis bon visionnement. Fait que là, on a les deux boys qui sont en train de bâtir le catamaran. C'est l'heure de la bouffe. Steph, merci. Merci pour la nourriture. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Cheers, la gang. Wrap au porc effiloché. Faites maison. Ça coche. Bon matin la gang, premier réveil sur le bord de la rivière, on dort bien sur le bord d'une rivière, c'est vraiment relax. Il y a beaucoup beaucoup de boucans dans l'entour, si on peut voir sur la rivière, là, tout le long sur la rive, il y a énormément de boucans, c'est à cause d'un gros feu qui est plus haut sur la rivière, puis c'est ça, on va avoir un temps probablement smoky à cause du gros feu qui est plus haut, là, qui amène, avec les vents, ça amène la boucane vers ici, donc c'est... assez bizarre, un matin, on voit rien, là. On voit à peine l'autre côté de la rivière.
café numéro 1. Santé, les amis. Bon matin la gang, on est en mode préparation pour le départ. C'est une rivière, ce qui est du brochet et du grilling. Moi bien sûr, je vais essayer un peu des deux, mais on va se prendre du gros brochet du nord. Je vais utiliser ceci, mais j'ai le petit ardillon dessus. Au Yukon, c'est illégal de pêcher avec des ardillons, donc je vais venir écraser tout simplement l'ardillon. Hop. Quand on arrive dans un nouveau territoire, c'est important de regarder la réglementation sur le dit territoire pour être sûr d'être légal. Donc là, mon ardillon, il est crocheté. Je vais venir mettre un leurre souple en arrière de ça. Après plusieurs mois d'attente, plusieurs heures d'attente sur le bord de la rivière ici, finalement, on décolle. Check la gang qu'on est. C'est juste impressionnant. 10 personnes, 5 canots, 3 chiens, tout le stock qui vient avec pour un trip d'environ 6 jours. Assez impressionnant quand même. Très bon. Très bon. Bon ben, c'est parti. Il y a un petit stock d'un canot. Assez impressionnant. Première impression, c'est vraiment différent d'un trip en lac. Que le trip en lac, tu bouges pas. Parce que là, tu fais juste te laisser aller. Puis tu peux contrôler le canot un peu avec la paddle, pas te ramasser de côté. Le feeling est vraiment nice, gang. Vraiment un cool feeling. Je me serais attendu à voir des ours, des orignaux, des carcajoux, des chevaux sauvages. C'est freak!
Bon, petit stop. Stop jerky. Puis, on vient checker nos trucs. On roule à environ 6-7 km/h. Le spot qu'on vise, il est dans à peu près 25 km. Fait qu'il nous reste un 3h, 3h30 de pagayage à faire. Là, on vient de faire pause pipi. J'ai fait quelques casses, petit morceau de jerky. Puis on décolle ça. Ouais. C'est ce qui fait le drôle de bruit, c'est la petite hélice qui claque en surface. Gars, yeah, c'est gros comme ma main, là. Sur la paroisse ici, on peut voir beaucoup, beaucoup de trous. À peu près à mi-hauteur. C'est toutes des nids d'oiseaux. Les paysages sont à couper le souffle, gang. C'est tellement huge, c'est tellement impressionnant. Les montagnes un peu partout, toutes les falaises avec les arbres qui tombent. L'eau est verte turquoise, c'est impressionnant. C'est toute beauté, puis tabarouette que c'est relaxant, puis ça fait du bien. On vient d'entendre un loup. C'est bien cool. Et que là, je me sens en vacances, puis là, je me sens au Yukon en tabarouette. Checkez-moi le spot. Ils ont fait la descente de rivière il y a quelques années ici, puis ils sont pas mal sûrs que c'était le spot qu'ils avaient surnommé le Awesome Spot. Puis, je les comprends, c'est juste fou, fou raide. C'est du sable à perte de vue, la petite baie, la petite île, c'est complètement fou. On va bien dormir cette nuit. Première journée complétée sur la rivière. Fourette. Fourette, comment c'était le fun. Je suis brûlé. On a pogné un gros, gros vent de face ce matin là, pendant un bon une heure et demie, deux heures. Il a fallu que je pagaye solide, puis tout seul dans le canot. C'était assez rock'n'roll. Mais vraiment, 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 vraiment nice. Première expérience en rivière. J'ai fait du canot en masse dans ma vie, sur des lacs, puis tout. Mais en rivière, c'est ma première expérience, puis vraiment, vraiment trippant. Puis là, vous savez, je filme, donc j'ai besoin de charger mes trucs.
pour être capable de documenter mon expérience, puis vous présenter une vidéo. Fait que j'ai mon panneau solaire que vous avez vu tantôt un peu sur les images, là, qui est accroché sur mon canot. Puis, j'ai mon jack, lui, ici présent, sur lequel je branche mes batteries de GoPro, mon cellulaire, la nuit quand j'arrive. Ça fait la job au bout. C'est une petite batterie, c'est léger, compact. Ça se trimballe super bien. Mon panneau solaire, il a fait la job aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de soleil, mais il a quand même réussi à recharger mon jack-crew un peu. Je suis curieux de voir demain. Demain, il annonce plus ensoleillé beaucoup. Fait que j'ai hâte de voir demain le résultat que ça va donner. Mais pour le peu d'heures de soleil qu'on a eu aujourd'hui, ça a rechargé mon jack-crew quand même pas pire. Puis j'ai pas filmé beaucoup en continu, donc j'ai pas grand-chose. J'ai 3 batteries GoPro à recharger, donc mon jack-crew va faire la job en masse. Fait que c'est avec ça que je suis équipé pour être capable de documenter mes trucs. Là, j'ai 16 batteries GoPro qui peuvent rouler. J'ai mon cellulaire, ma caméra professionnelle, mon drone. Donc c'est avec ça que je documente mon trip au Yukon. Puis honnêtement, le petit setup que je me suis bâti au fil des années, là, que ce soit la tente, le matelas de sol, le sleeping, tout. Puis mon petit côté électronique, là, ça fait vraiment la job solide. Je suis vraiment impressionné. Bon matin la gang, super de belle nuit, mouvementé un peu avec les orages qu'on a eu en début de nuit, autour de minuit, il y a eu des gros orages, j'en étais un peu freak, l'éclair la plus proche est tombé à, de ce que j'ai compté, là, 4 km, fait que c'est quand même vraiment pas loin de notre spot, fait que c'était un petit peu freak, mais sinon après ça, je me suis endormi, ça a dormi là, comme un bébé. C'est vraiment le fun, là. Pas un son, pas un bruit. C'est à la plage de même là, avec la petite rivière qui coule à côté. Là. C'est parfait. Là, mon stock est serré. Mon café y est bu. Fait que bientôt, ça va être l'heure de repartir sa rivière pour faire une autre petite trotte. La gang commence à se lever tranquillement, pas vite. Là. Moi, j'ai pris le temps de boire mon café relaxant. Ça fait tellement du bien de juste être assis dans le calme avec le son de la rivière en avant puis de regarder le paysage puis de juste relaxer et que ça fait du bien. C'est les meilleurs matins au monde, ça. Steph, elle a préparé des bines pour déjeuner ce matin, donc on va aller se faire un bon gros snack pour déjeuner, puis après ça, on repasse à rien. Here we go, c'est parti. Jour 2 sur la rivière. On vient juste de décoller. Puis ça s'annonce une très belle journée encore. Checker la vue en arrière de moi, gang. Malade. Je viens de capturer mon premier Northern Pike. Mon premier petit brochet était en tout petit, là, environ un pied. Puis il s'est décroché juste à côté du bateau. Donc c'est parfait comme release. Mais super beau petit bois de rivière là, qu'on a pogné. Fait qu'on a été s'amuser là un peu. Là, la gang, on fait un petit stop pendant que nous autres on pêchait. Là, on repart, on décolle.
vraiment beau, mon gars. Un petit Norton Pike. Bon ben gang, officiel, mon premier brochet au Yukon. C'est pas un gros, mais c'est mon premier. Yeah, premier brochet officiel au Yukon. Ça c'est nice. Je vais essayer un autre cast à peu près dans le même spot. Puis après ça, on va retourner joindre la gang. Parce que là, on s'en allait à un petit spot pour aller manger. Brochet numéro 2. C'est pas des gros. Ah, oh, ben lui... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Lui, je veux pas le perdre, par contre. Lui, je ne veux pas le perdre. Oui. Est-ce que j'ai pas de net? Yeah! Yeah! Oh yeah! Bon ben gang, mon premier vrai Norton Pike, une belle pièce qui m'a donné tout qu'un fight. On va se faire ça en fish and chip plus tard. Ça va être mon premier vrai brochet du Nord. Donc vraiment content. Super de belles prises. Je vais nourrir tout le monde avec ça. Fait que je suis vraiment content. Yeah, man! Bon, on vient d'arriver à notre deuxième spot. C'est un super beau spot. Il y a une belle plage. Il y a un spot de pêche écœurant. Il y a des montagnes tout le tour. Là, on a installé la tente où ce qu'on va préparer la nourriture parce qu'il y a quand même beaucoup de maringouins. Donc, ce soir, on l'a monté. Hier, on ne l'avait pas monté. C'est des spots parfaits, un après l'autre, puis après l'autre, puis après l'autre. C'est complètement fou. Là, il est déjà presque 7 heures. Fait qu'on va s'enligner sur faire la bouffe. Moi, j'ai mon brochet à préparer, que j'ai hâte de faire goûter ça au monde. J'ai deux recettes que je veux faire, là, fait que j'ai vraiment, vraiment hâte de faire goûter ça au monde. Puis Steph, elle nous a préparé aussi un petit souper pour ce soir, pour la gang. Oui, regarde, là. Fait que de toute façon, tu peux peut-être préparer ton mix avant de partir. Ouais, ça, j'en ai beaucoup chez nous. Quand tu penses de quoi, bon moment, tu l'arranges. Puis... Exact. Il y a du monde qui veut du brochet. Il n'y a rien. Non, c'est ça, c'est souvent, c'est ça, c'est pas très rationnel. C'est chaud. C'est
Norton Pike, ma recette, ma panne, test numéro 1. Le cœur. Le cœur. Curiosité, mon poisson. C'est bon. Tout le monde est content. Yes! Non, moi je dis que mon frère, quand il vient me voir, des fois le matin, quand il se lève à 11h30, parce qu'il était levé le soir avant, il vient voir, man, c'est tellement une bonne soeur, voudrais-tu me faire un grilled cheese? Bon, c'est l'heure du brochet numéro 2. Merci à mon chum de Chubet dans le bois pour les épices. On se fait ça sur le bord d'une rivière au Yukon. Y a-t-il pas plus beau que ça, gang? Peux-tu que je viens de remettre plus de braise là? Je veux juste, je veux que ça cuise à feu doux, doux, doux. Juste comme ça. Ça cuise à feu doux, vous pouvez continuer votre faculté. Parler un peu de sécurité. On est au Yukon. Yukon veut dire beaucoup animaux sauvages, ours, orignal. On s'entend, je viens du Québec, je n'habite pas au Yukon. J'ai pas l'habitude de gérer avec une faune de cette ampleur, si on peut le dire comme ça. On est 10 personnes, 5 ados, 5 adultes. Les deux couples, ils ont chacun un fusil, un 12 pour protection. Donc, je mets tout le temps ma tente un petit peu en retrait. Puis là, Pascal, tu trouvais ça pas safe? Je suis quand même assez loin des autres tentes. Puis après avoir jasé avec, il me disait, t'aimerais-tu avoir des trucs au cas où que? Parce qu'on sait jamais, on est au Yukon. Donc, il m'a prêté ça ici, Beer Banger. Dans le fond, c'est le petit bouton ici que tu tires, que tu relâches, ça dégage cette capsule-là. Donc, tu essaies de la lancer entre toi et l'ours pour que l'ours recule. Dans le fond, c'est pour faire peur. C'est un avertissement. Puis en même temps, moi, si j'arrive qu'à être obligé de lancer ça, les gars vont l'entendre. Les deux boys vont l'entendre avec les fusils, puis ça va les réveiller, puis ils vont savoir qu'il y a quelque chose, puis ils vont sortir avec les fusils. Puis si vraiment... il y a un ours proche ou quoi que ce soit, ben, il m'a prêté une petite bonbonne de poivre en dernière défense. J'ai toujours un couteau à côté de moi aussi. Ça, je l'ai même au Québec pour le peu que ça peut me servir pour un ours. Mais en tout cas, c'est une petite protection que j'aime bien avoir à côté de moi, on ne sait jamais. Mais ces deux outils-là, c'est pas trop gros. Je les garde à côté de moi, à côté de ma tête, facile d'accès. S'il y a un ours qui est sur le bord de ma tente, qu'il y a quoi que ce soit, je vais être capable d'en servir, puis je les ai. Puis en même temps, ben c'est de la protection. C'est un petit rappel, juste pour que le monde prenne conscience en général, que quand on arrive dans la forêt comme ça, on n'est pas sur notre territoire. On est sur le territoire des animaux sauvages, puis ça peut être dangereux. Que ce soit un orignal, que ce soit un ours, ça peut être dangereux. Safety first. On veut tout retourner chez nous. On a toute une vie, puis on veut tout retourner en santé chez nous. Donc, soyez prudents, soyez responsables.
utilisez les équipements de protection que vous pouvez avoir, que vous avez le droit d'avoir. Mais dans une place comme au Yukon, là, safety first. Là, c'est l'heure du dodo. On se voit demain matin pour la continuité du trip. Ciao, bye, la gang. Bon matin, la gang. Ça fait une petite heure à peu près que je suis levé. Pris le temps d'aller faire ma petite marche à grève, un bon déjeuner, un bon café, serrer ma tente. Puis là, on se prépare pour notre troisième jour sur la rivière. Bon gang, il vient de se passer quelque chose de très drôle. On pagaye, moi je dis en partant, je dis m'en aller dans la petite baie à droite, m'en aller pêcher, puis je vous rattrape. Fait que je pars, je m'en vais pêcher, j'essaye 4-5 casses, ça marche pas, fait que je reviens de bord, puis je m'en vais rejoindre la gang. Puis là j'étais comme, tout le long je me disais, c'est bol, c'est raide, pas normal, il n'y a pas de courant, pas normal qu'on pagaye de même. Puis là je vais vous montrer sa carte en même temps que je vous jase. Mais il y a une espèce de grosse loupe. Puis, on a rentré dans l'eau. Puis, on est revenu à notre point de départ. C'est tordant raide. Fait que là, tout le monde est tout mêlé à savoir où qu'on s'en va. Moi, je dis qu'il faut qu'on s'en aille tout droit, qu'on suive un peu le courant. Mais c'est vraiment drôle parce qu'on est revenu droit à notre point de départ en suivant la loupe. Fait que c'est un petit peu tordant. Puis là, tout le monde est en train de se démêler. Là, puis, on va continuer à descendre. Mais... petite expérience rigolote un matin. C'était très drôle. Au fond, moi, j'étais pêché à droite là. La gang sont partis là-bas. Fait que je suis revenu les voir. Puis on est revenu par là. On vient de se passer une énorme ligne droite de gazement, je dirais pas loin d'un kilomètre, avec un gros, gros, gros vent de face. J'ai les bras morts, j'ai les poignets morts. Pas facile. Pas facile. Fait que je comprends mieux à cette heure les gars à la gym bird et tout, là, que quand ils arrivent le soir à leur spot, là, après avoir pagayé pendant 10 heures de temps, faire du portage et tout, à quel point ils peuvent être brûlés. Là. Je les comprends à cette heure. C'est vraiment plaisant, c'est une belle fatigue. Mais calique que c'est raide sur le corps. T'es-tu bien, mademoiselle? Oui. Ouais, c'est la belle vie. Bon, c'est l'heure de la pause. Ça fait 3h30 qu'on est parti. Puis on se tape du gros, gros vent de face depuis tantôt. Fait que ça a été une pause bien méritée. Hier, le gars Pascal a capturé du brochet. Donc, on va préparer ça. Je vais leur montrer ma technique pour arranger le brochet. Puis on va se faire du brochet épin bannick. Fish and bannick. Oh yeah, ça va faire une grosse. Oui, pas de suite. Parfait. Ça. Oh yeah!
ça va être bon. Si oui, puis on va la recouper en morceaux après. Ouais. Au lieu de faire des petits morceaux, je pense. Mais après ça, on pourra... Oui, parce que là, ça ne cuira peut-être pas. Ça va cuire, là, ça va cuire. C'est comme une curette, ça va aller. Ah ouais. Whip it. Attention. Yeah! Oh. Peut-être baisser le feu un peu. De messe, parce que... Test de Fish and Bannock, gang. Vraiment bon. Ça goûte bien le poisson. Ça sent bien cuit. Vraiment bon. Les épices sont... Bon, le petit stop Shore Lunch, très intéressant. Pour ceux qui seraient intéressés à la recette complète, vous avez juste à me le demander dans les commentaires là, pour la petite bannée poisson. Mais c'était vraiment là, sur la grosse coche. Donc là, le stop est fini. On repasse à Rivière. On arrive bientôt à destination pour notre spot pour la quatrième nuit. On va checker le décor là-bas. C'est complètement malade mental. Les décors sont malades mental. On est rendu à notre troisième spot sur la rivière. Encore une fois, une belle plage de sable. On se trouve des spots de malade mental à tous les soirs. Avec une vue quand même assez trippante, ces montagnes en arrière. Ça va vraiment être cool comme soirée. Les tentes sont montées. On s'enligne sa bouffe. Puis là, Steph, elle me fait faire quelque chose à soir. Vous allez voir. Bon, la gang, ça c'est Steph. Bonjour. C'est la blonde à Gab que j'ai aussi connue là, au-dessus de 20 ans. Puis quand on a préparé le trip de canot camping, on s'est fait un FaceTime. Puis Steph, elle m'a dit, Léandre, tu t'occupes pas de la bouffe, c'est moi qui m'en occupe. Steph, c'est une maman, elle a 3 enfants, donc elle a l'habitude de gérer de la bouffe. Puis là, petite anecdote, Steph, elle m'a dit chez elle l'autre fois qu'elle faisait des ramen. Ça s'amène bien sur une rivière. V'là 20 ans, c'est la dernière fois que j'ai mangé des ramen. J'étais dans la rue à Kelowna. Puis depuis ce temps-là, j'en ai jamais remangé. Mais toi, Steph, tu fais pas des ramen. Moi, je fais des ramen pimpés. Des ramen pimpés? On check ça, ça a l'air de quoi, voir? Alors, on a du porc, du kale de mon jardin, du maïs et un assortiment de petits assaisonnements secrets. Yeah! Donc, ramen pimpé pour fêter mes 20 ans sans ramen. Merci, Steph! Ça fait plaisir! Donc, après 20 ans, voici ce qui a l'air une assiette de ramen. Mm. 20 ans sans ramen, on va voir ce que ça goûte. Je suis sûr que ça va être sa coche. Fait que demain, c'est pas tant déshydraté. C'est comme... semi. C'est pas le ramen que je mangeais il y a 20 ans. Ça, c'est sûr. Ils sont où, les petits... Vraiment bon. Merci, Steph. Yay! Merci, chérie. Yes. Je la gagne.
Hey, bon matin, la gang. Ça fait déjà une bonne petite heure, je suis réveillé. Puis on attendait que le restant de la gang se lève pour voir un peu c'était quoi les projets de la journée. Parce qu'on avait vraiment un super de beau spot. Puis on s'était dit que si il faisait beau aujourd'hui, qu'on aurait pu rester. Il y avait des belles places pour se baigner, il y avait une grande plage de sable, petit feu de camp hier soir, c'était vraiment cool. Fait que ça aurait peut-être été un planning de passer une nuit supplémentaire à un spot. Mais là, quand on a regardé la météo un matin, il annonce extrêmement nuageux encore aujourd'hui. Puis tranquillement, pas vite, c'est supposé de se dégager pour demain avoir une belle journée. Dégagée avec du beau soleil. Puis aujourd'hui, il y a une partie de la rivière que la dernière fois qu'ils ont fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de vent. Puis il y avait des... comment on dit en français, des white caps. Dans le fond, il y avait des vagues assez hautes sur la rivière, que le monde en canot, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de misère. Puis sur le catamaran, il y a un moteur, justement, pour ce genre de situation-là. Puis, la dernière fois, il a fallu qu'il fasse deux sauvetages de deux canots qui n'étaient plus capables d'avancer, qui se ramassaient dans le bois puis tout. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'annonce pas beaucoup de vent, ben ça va être la journée idéale pour faire cette partie-là de la rivière. Je suis vraiment bien content de mon petit setup. Ma tente et mes serres avec mon matelas de sol Neo Tensor. J'ai un super bon sleeping bag aussi parce que les nuits sont fraîches. Fait que j'ai vraiment un super beau setup, léger, compact. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Si vous avez des questions par rapport à l'équipement que j'utilise, vous pouvez venir me les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous shooter une petite liste là, précise de tous les équipements que j'ai utilisés pendant mon trip au Yukon de canot camping. On part. Troisième spot de camping terminé. On laisse zéro, pas de trace. Il n'y a personne en anglais, là, camping leave no trace. Donc camping sans trace. C'est exactement ce qu'on a fait. La seule chose qui peut nous trahir, c'est les quelques bûches qui restent du rond de feu. En dehors de ça, tout est ramassé, tout est clean. Puis on passe sur notre quatrième journée sur la rivière. Fait que c'est parti. Un pêcheur trouve toujours le moyen de pêcher. C'est exactement ce que je fais. Chaque fois qu'il y a un petit spot, je l'essaye, mais c'est vraiment pas fameux. J'ai essayé de faire de la traîne. La traîne, c'est bon, rien. Trop de courant pour le brochet, puis avec des leurres, plus grilling, bon, pas à traîne non plus. Fait que c'est pas évident. J'aurais aimé ça. Pogner plus de poissons à date dans le trip, mais au moins, on a pu en manger deux repas à date. Fait que c'est toujours ça. Je vais continuer à pêcher tout le long, en descendant en rivière aussi. La gang a adoré mon poisson pané avec mes épices maison. Donc, j'aimerais ça leur en refaire un autre batch. Ils me l'ont demandé, voir si je pourrais leur en faire un autre batch, puis juste que si on pognait du brochet, que ça allait me faire plaisir. Donc, j'espère reprendre un autre beau pour pouvoir leur faire un autre bel batch puis les garder un peu. Ça fait plusieurs cabines qu'on croise en descendant la rivière. Ils sont placés à des spots stratégiques. C'est des cabines soit de chasse ou de pêche. Puis la majorité du temps sont placés à côté de grosses éclaircies, de grosses swamps, justement pour la chasse à l'orignal. Fait que c'est des belles petites cabines, des belles petites places, des beaux petits camps de chasse, là. Je suis un peu jaloux, j'aimerais savoir un spot de même sur le bord d'une rivière. Vraiment des beaux spots. Thank you.
Bon, il est rendu 3 heures. Ça fait un peu plus que 4 heures qu'on est sur la rivière. On prend un petit break lunch avant de redécoller. On avait une trentaine de kilomètres à faire aujourd'hui. On doit être près d'une vingtaine de fêtes déjà. Donc, ça va quand même assez bien. On laisse avec un bon rythme, c'est le fun. Des super de beaux spots partout. Des belles plages de sable demain. Vraiment intéressant. Après être arrivé au spot, avoir monté ma tente, tout, j'ai décidé de me promener un peu sur le bord de la berge pour aller voir exactement ça, ce décor-là. C'est beau, ça n'a même pas de bon sens comment c'est beau. Mais la nature nous rappelle vite qu'on est au Yukon. Je vous montre ça. Des belles traces ici. Belles traces ici. On a traces d'orignal ici. Notre trace d'orignal là. Puis on continue de se promener tout le long, mais vraiment tout le long. On peut voir trace de loup. Checker la belle trace ici. Belle trace de loup. Donc, la nature nous rappelle vite qu'on est dans son univers, dans son élément, puis qu'il faut être prudent. Pour ceux qui douteraient de la grosseur d'une patte de loup, je vous montre ça. Vous allez voir, c'est huge, ça n'a pas de bon sens. Comparé à ma main, la patte de loup est presque aussi grosse que ma main. Donc, c'est assez impressionnant. Ah, la bonne eau fraîche, mais ô combien agréable. Ça fait tellement du bien. Après 4 jours à pagayer, 4 jours sur la rivière, là. Et que ça fait du bien de saucer, de se laver les cheveux, de se laver le corps. Là. Maudit que ça fait du bien. Là, c'est l'heure de la bière et d'aller se reposer. Oui. Du bon spag fait maison. Merci, Steph.
Bon matin tout le monde. C'est le premier matin qu'on se lève sa rivière avec un gros soleil, ciel presque bleu. Fait que on sait pas encore ce qu'on va faire. On va attendre. On laisse le monde dormir. Il nous reste 20 km à faire pour finir de descendre la rivière. Le spot est vraiment nice. Beau spot de baignade. Le décor est super beau. Fait qu'on sait pas encore si on prend une petite journée off ici à juste chiller, se baigner, manger, boire une petite bière avec le petit feu. On laisse le monde dormir un matin. On se presse pas. On profite de notre semaine de vacances. Puis là, moi, depuis le début du trip, pour être capable de filmer mes aventures, j'ai mon jacuzzi avec lequel je branche mes trucs. Puis j'ai un panneau solaire pour recharger mon jacuzzi. Mais à tous les jours, c'était tout le temps nuageux, presque pas de soleil. Mais je réussissais quand même à tous les jours à aller chercher assez d'énergie pour me garder stable. Donc, pendant ma journée, je récupère assez d'énergie pour charger mon cellulaire, puis mes batteries de GoPro, batteries de drone et autres. Puis que le lendemain matin, je me réveille, puis je suis encore au même niveau. Mais là, aujourd'hui, avec le soleil qu'il y a, là, je fais un test pour voir la capacité un peu de productivité de mes panneaux solaires. Je m'en vais brancher ça. J'ai bien hâte de voir quelle capacité de charge que je suis capable de donner à ma batterie jacuzzi avec le soleil qu'il y a. Là, j'étais à 44% sur mon jacuzzi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça va prendre combien de temps à le mettre à 100%. C'est une belle journée pour faire un test. Vu qu'on n'est pas pressé, j'ai le temps de le faire en masse puis de checker ça. Allez. Tiens, chérie, que j'aime. Merci, mon amour, à moi. Moi, j'aurais pas fait ça de même, mais c'est bon, Titi. J'aime ça. Ouais, c'est une belle technique. Encore cool. Une fois, quand ils disent Beauty. Mets du bulle un peu, Titi. Hein? Ah bon? Personne n'oublie une. Ah, sinon. Et là qu'on est. Parce que. Non, je sais. Reste une chance. Bannick, puis Bacon and Bannix, version Thierry. Ça va être Saint-Laurent. Bon. Je pense que ça va être bon. Ton gant. C'est bon. Ça a l'air tellement bon que moi, il goûtait, je pense. Vas-y. Petit test. Ah, fait par Thierry. Bacon and Bannix. Oh ouais. Mmh. Hey, c'est sa grosse coche, ça, Thierry. Merci bien. Hein? Et que m'a fait ça en camping, ça. On a finalement pris la décision de se prendre une journée off sur la rivière. Le spot est vraiment beau. On a une belle journée. Puis on avait quelques petits projets là, de bouffe un petit peu plus long à faire, dont le pain bannick que j'ai fait ce matin. J'en ai eu pour presque 1h30 de temps là, sur basse-feu. C'est vraiment cool. C'était tellement bon aussi. Puis là, Pascal, sur le catamaran qu'ils sont faits, ils ont amené un moteur parce qu'ils ont déjà eu à s'en servir dans le passé. Fait qu'ils traînent tout le temps un petit moteur. Puis, il y a un des canaux qui a un transom en arrière. Transom, c'est le derrière plat. Donc, on a pris le moteur, on l'a mis sur le canot, puis là, on part explorer, puis pêcher. Ça va être le fun en tabarouette. Une journée comme je les aime. Fish! Fish! Attends un peu. Je vais desserrer mon frein. Je le laisse travailler. Ah, ouais, il rentrera pas dans la puise. Hein. Oh, ce qui est beau! Oh, oui. Oh ouais, c'est un très très beau celle-là. Là. Ouais, puis là, il est fatigué. Tiens la canne. Descends le frein un peu. Est-ce qu'il est pris? Juste sur le bord.
décroché. Yeah! Ça, tout filmé en plus. Hey, la gang! Brochet du Nord! Grand Brochet du Nord! Yeah! On mange fish and chip à soir! Là, je te rends tabarouette, la gang! Je pêche avec un bas de ligne en acier de 40 livres test. Fait que c'est équipé pour pogner quand même du gros poisson. Quand j'ai remonté mon brochet dans le bateau, il s'est repogné dans la queue. Il a ouvert mon émerillon. Merci le petit poisson. Ouais. C'est fou là. Fait que là, je suis obligé de changer mon bas de ligne en acier de 40 livres test à cause de ça. Complètement fou. Vive la pêche. C'est correct. En même temps, c'est lui qui offre le meilleur sport. Oh yes, sir. Ça doit être l'autre attitude tantôt, ça. Fish on! Attention, tu tires ton stécan. Ouais. Ah! Oh, ah! Tu l'as abusé, là. C'est pas l'air de le rentrer. Non, c'est pas le même. Rattelé par la queue. Exact. Nice! Nice! C'est du poisson dans le... Là, gars, il est décroché. Il est décroché. Deuxième poisson de la journée, gang. C'est un petit, mais on veut manger du fish and chips ce soir. Fait un de plus. Quand t'as des spots de même, là, t'en profites. Faut que t'en remettes à l'eau aussi pour que le spot il continue d'être bon. Ouais. Pour les prochains. Ça, quand ça garnote. Ah, moi, j'ai pas ma canne à pêche. J'ai jamais ma canne à pêche pour mon kit, là. Je les prends toutes, là. Oh! Yes! Oh! Dans cette petite connexion, j'ai la l'autre bord. Moi, je m'occupe de la prise. Si jamais, on peut. Là, ça a du poids. Tiens, tiens. Ah, c'est un autre bord, là. Bon, c'est plus petit que l'autre, là, non, mais non, c'est ça. Ça reste un beau poisson encore. Nice! T'as peu. Oh. Hey, c'est tout du beau poisson. Back. Check le papillon. Un autre superbe animal, prêt avec une Five Diamonds jaune. Ouais. Un autre beau brochet. Ça risque d'être pas mal un des derniers qu'on garde parce qu'on a déjà 4 dans le bateau, 4 beaux. Puis on va se faire un méchant lunch de fish and chips tantôt. Et que j'ai hâte. Bon ben, ce fut plaisant. Merci Pascal. Bon gang, vous pouvez pas espérer mieux comme petit début d'après-midi. J'ai pris plusieurs poissons, dont 3 qu'on va être capable de se cuisiner tantôt. Pascal en a gardé un aussi, qu'on s'en va arranger. Mais super belle avant-midi de pêche. Ben, début d'après-midi de pêche, mais super plaisant. On a trouvé un spot parfait parce qu'il y avait plein de beaux brochets. Vraiment le fun. ça va être bon. Il faut que je te voie. Ouais. Il faut pas tous les poissons. Je vais me mettre de même. Nice. Comme ça. Nice. Donc ça, c'est 2 de mes 3 brochets que j'ai pris. C'est mes 2 plus gros. On peut voir la grosseur que ça a. Celle-là, il est pesant en tabarouette. Vive le Yukon! Vive la pêche, les amis! On arrange ça, on s'en retourne au camp pour en faire profiter tout le monde! C'est l'heure du brochet pané, gang. Tout le monde tripe au bout de connaître, ramener, je suis vraiment content. C'est une recette de paneur que, éventuellement, j'aimerais commercialiser. C'est une recette maison qui est vraiment bonne. Tout le monde, à chaque personne, l'a fait goûter tripe au bout. J'aimerais la commercialiser, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence sur,
sur le marché. C'est pas évident non plus. Ça prend beaucoup d'argent pour être capable de sortir quelque chose comme ça. Mais je suis curieux. Dites-moi donc dans les commentaires si vous seriez intéressé à goûter ça, ce genre de panure-là. Parce que tout le monde à qui je la fais goûter, triple à tout bout, une panure poivrée, spicy un peu. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si je la sors, est-ce que vous en achèteriez? Fait que laissez-moi savoir ça, gang. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime ça boire une bonne petite bière, tranquille, quand je fais mes trips. Souvent, quand on fait à souper quelque chose, je sors une belle-mère d'Archibald. Mais là, je trouve con. Pas de belle-mère d'Archibald. Mais je viens de tomber sur quelque chose d'assez assez impressionnant. IPA, Weekend Warrior, avec les petits symboles sur le côté. Je trouvais que ça fitait bien pour le trip de canot camping. Fait que j'avais décidé de l'acheter. Là, j'ai Marie-Anna qui s'en vient me voir, qui veut me lancer des morceaux de bois. Es-tu d'accord? Non. Ben, je le fais pareil. Depuis tantôt qu'on fait une petite guéguerre de morceaux de bois, c'est très drôle, avec les enfants. Donc, Hey, t'es toujours le jeune. Donc, une petite IPA, vraiment nice, à 6,5% d'alcool. Elle est vraiment super bonne, ça fait très bien avec le décor. Là, on a passé l'après-midi à jouer aux cartes, à rire, à s'amuser, à manger du brochet pané. Puis là, c'est l'heure du souper. Notre cher Steph a décidé de nous gâter. Puis quoi de mieux qu'une poutine? Hein? Je te frappe. Qu'est-ce que t'en penses, Mariana? Une bonne poutine. Ça va être bon, hein? On en a mangé la dernière. J'ai renversé. Oh! Donc, de la poutine pour souper, pour nous rappeler un peu nos bonnes origines du Québec. On est pas au Québec. On a des patates qui sont en train de cuire sur le bord du feu de camp. Steph, elle a acheté 4 sortes de fromage. Ça va être complètement fou. C'est à cause qu'il n'y avait plus de fromage en crotte. Ouais, mais ça va être encore meilleur. Non. Mais oui. Ça va vraiment être bon. J'ai bien, bien hâte de souper. Même si on a mangé près de 6 livres de brochet à gang tantôt, ça va vraiment être écœurant. C'est l'heure de la poutine yukonaise, gang. Thank you.
c'est parti les amis. Après une petite journée tranquille à notre dernier spot, là on repasse sur une ligne d'environ 20 km pour se rendre à notre dernier spot de camping avant la fin de la rivière. Fait que belle ride à date, super trippant, mais là c'est dans les derniers milles. Christ, une belle expérience. Mais là on part ça pour l'avant-dernière journée. Fish on! Complètement fou. Tout se retourne à l'eau. Tout se retourne à l'eau, mon grand. Nice! Complètement fou. Un autre superbe keeper. Complètement fou. Complètement fou la qualité de poisson. Le haut de la rivière était plus dur en spot de pêche. Le bas de la rivière, c'est complètement mongol. Il y a du poisson ici, c'est épouvantable. J'avais pris une grande longueur d'avance sa gang pour venir pêcher. Puis c'était un lancé sur deux, un poisson. J'en ai deux dans le bateau, on va aller se manger ça plus tard. Mais là, j'ai un petit peu de pagaillage pour rattraper la gang. C'est trop plaisant. En tant que pêcheur, un spot comme ici, là, c'est parfait, c'est le paradis. Tu as emprunté ça? Oui. Yeah! Magnifique! Hey! Un petit peu qu'il soit blessé et qu'il soit obligé de gérer. 1, 2, 3, go! Hey! Wow! Là, tu l'as, ma grande! Merci, bon. Lisanne. Ah, ben, de rien. On vient de passer une ligne avec quelques micro-rapides, c'est vraiment, vraiment nice. Avec un gros, gros vent de face, là, rien que pour donner du trouble un peu. Vraiment cool. On vient d'arriver à notre dernier spot. Le paysage a vraiment changé depuis notre dernier arrêt. Au lieu d'avoir des belles plages de sable, puis que le fond de la rivière soit vaseux, là, c'est de la roche
la roche. Puis de la roche, on a une grosse problématique avec le vent en ce moment parce que demain matin, il faut qu'on se lève très tôt parce qu'on va tomber sur le lac avec un vent de sud puis on va arriver nous autres par le nord du lac, donc on va avoir le vent en pleine face. Après, on s'en va direction ouest, puis là, on va avoir le vent de côté. Puis il y a beaucoup de vent, il annonce beaucoup de vent demain matin encore. Demain, il va falloir se lever très tôt. Donc ce soir, il va falloir se coucher très tôt. C'est la première fois que je monte ma tente puis qu'il y a autant de vent. C'est complètement fou, c'est des rafales à 45-50 km/h en ce moment. Je vois la tente plier, là. C'est complètement fou. J'ai mis des roches dans un coin, je prends pas de chance. J'ai même attaché ma corde de côté pour encore là pas prendre de chance. Mais c'est température très, 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 très venteuse. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. On va se faire brasser cette nuit. Bon, c'est techniquement la dernière nuit sur la rivière. J'ai eu un petit down tantôt. Parce qu'après maintenant 7 jours à pagayer la rivière, à juste la descendre, à pêcher, à méditer aussi, mine de rien, t'es tout seul dans ton canot, puis souvent j'étais loin devant, puis j'étais dans ma bulle, je faisais mes petits trucs, j'étais dans mes pensées, puis maudit que ça fait du bien. Fait que j'ai eu un petit down tantôt en arrivant au dernier spot, parce que le voyage tire à sa fin, puis c'est jamais le fun de se dire que c'est la fin d'une belle expérience, d'un beau trip. J'ai adoré mon voyage au Yukon. Descendre la rivière en canot avec la gang, là, c'était un trip extraordinaire. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et là, il reste la journée de demain, qu'on va sortir de la rivière, qu'on va rentrer sur le lac pour se rendre jusqu'à notre point de sortie. Ça risque d'être une journée tough parce qu'il annonce beaucoup de vent. Puis on va pagayer sur un lac, donc avec de la bonne vague. Fait que ça risque d'être une journée assez, assez périlleuse. Je suis prêt, je suis en forme. Demain, on a prévu de se lever tôt. 5h, le cadran va sonner. On part à 6h. On a au moins un bon 3-4 heures de pagayage à faire. Là, il nous reste 18 km pour se rendre à notre point d'extraction. Mais on a environ 10 km à faire sur la partie du lac puis la sortie de la rivière, parce que ça va être rock'n'roll. Donc on a une grosse, grosse avant-midi qui nous attend demain pour terminer le trip. Mais là, c'est ma dernière nuit sur la rivière. Il est 10h15. Fait qu'il me reste quelques heures à dormir. Comme vous pouvez voir là, il fait clair, clair, clair. J'ai aucune lumière sur ma GoPro là. Il fait clair comme en plein jour. Donc, c'est pas évident de se coucher à 10h15 quand il fait encore clair de même. Mais bon, on va profiter de notre dernière nuit sur la rivière. On va écouter la rivière couler. Ma tente est environ à 15 pieds là, à côté de la rivière. Donc, je l'entends super, super bien. Ça va vraiment bien dormir. Méchant beau trip à date. Méchante belle expérience pour une première expérience en descente de rivière. J'aurais pas pu demander mieux. Ça a été parfait d'un bout à l'autre. Les sites de camping, ça a été hallucinant. La gang était vraiment tripante. Fait que, maudite belle expérience. Là, je m'en vais au dodo. On se voit demain matin, gang. Bon matin, tout le monde. Le réveil a été tough à 5h du matin. J'ai dormi près de 3h. Là, pas mal tout est pacté. On s'enligne sur la dernière ligne droite de notre trip. Un petit 30 secondes pour être sûr de m'en aller dans la bonne direction. Il y a beaucoup de petites îles, donc je vais être sûr de prendre le chemin le plus direct pour sortir. Mais là, le vent s'est levé, ça va être rock'n'roll sur le lac.
On a la moitié du chemin de fait. J'avais pris un peu d'avance sur, sur la gang, donc j'ai décidé de m'arrêter pour faire une petite pause, les attendre. On reste sécuritaire toujours, donc on essaie de rester groupé autant que possible. J'aime bien être en avant quand même un peu, j'aime bien être dans ma bulle là, quand je fais mon canot, mais faut rester safe. C'est ce qui va compléter ma vidéo de canot camping, descente de rivière au Yukon. Ça a été une semaine extraordinaire, une expérience tellement enrichissante, tellement agréable, tellement plaisante. J'aimerais remercier Gabriel et Stéphanie, mon couple d'amis de très, très, très longue date, qui sans eux, ce trip-là aurait été impossible. C'est eux qui ont tout planifié. Un merci spécial à Stéphanie d'avoir préparé les repas pour la semaine. On a mangé comme des rois, c'était impressionnant. Merci à Pascal et Véro pour votre bonne humeur tout au long de la semaine. Vous avez vraiment été trippants, c'était vraiment plaisant de vous connaître. J'ai passé une semaine très agréable en votre compagnie. Merci aux 5 enfants qui nous accompagnaient, aux 5 jeunes, 4 ados plus Mariana, la petite dernière Agab Stéphanie. Des super belles personnes, 5 beaux enfants, 4 beaux ados, 5 beaux ados même. Ça a été vraiment plaisant de vous connaître. Il nous reste une dernière ligne droite de peu près 7,5 km à faire avant le point d'extraction. Donc, je vous laisse avec les dernières petites images de ma vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce en l'air. J'espère que cette vidéo vous a permis de passer un bon moment, que vous avez été capable de relaxer autant que moi je l'ai fait. Puis nous, on se dit à la prochaine pour une autre aventure de l'Air de Marc Outdoors. Ciao, bye la gang. Thank you.